soir, papy Bouba. Vous consolez les ébrûlés des petits papiers, papiers de riz ou d'Arménie. Un soir, il cuit papy maïs. Vous réchauffez un peu d'arbre, papy Bouba. Et c'est certainement parce que je ne vous connais pas que je vous aime autant. On s'aime... Ta gueule. Excusez-moi. Il me fait, bah alors tu me reconnais pas. Année consacrée à notre association Les Puits du Désert, c'est pour nous le temps le plus fort de l'année, c'est un événement majeur et on est ravis et très honorés que ce soit au profit de cette association. On a d'abord fait une école avec une petite cabane de paille et après évidemment on a fait une belle école avec une maison, avec des classes, des tables et des maisons d'instituteurs. Et tout ça grâce, parce qu'on a fait un puits, il y a un point d'eau, donc il y a une vie qui s'installe. Et aujourd'hui, il y a un village, il y a un dispensaire aussi. Vous croyez que c'est normal qu'à l'heure où on va sur la Lune, il y a des enfants qui meurent par manque d'eau potable? Non, c'est un combat, un vrai. Tout le monde est formidable. Il y a 170 puits qui ont été faits. Maintenant, il y a un hospice, il y a une école. Quand vous avez dit l'eau, c'est la vie, mais c'est vraiment la vie avec tout ce qui en découle. C'est la vie d'abord au sens propre. C'est aussi l'école, c'est aussi la santé, tout est lié à ça. En plus, on pense que chanter, bah, ça peut peut-être justement faire parler d'une association, peut-être faire en sorte, à notre manière, que ces gens soient là. Et bah, c'est fou, c'est magnifique. Moi, mon plus grand bonheur, c'est de chanter. Et quand d'un coup, on me demande de pouvoir prêter main forte en chantant, bah, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, j'en ai toujours rêvé. C'est Glissant Cœur, notre superstar. Eh oh! Je suis vivant plus fort, eh oh, eh oh, 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 encore, eh oh, eh oh, je suis vivant, eh oh, eh oh, oh, oh. Et je sais que j'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant. Je suis super heureuse d'être ici, je suis super heureuse de voir qu'il y a vraiment du monde ce soir, waouh. Et voilà, qui sont vraiment, ils sont tous présents et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, c'était que du plaisir, j'ai plus de voix parce que j'ai vraiment tout donné. Mais je suis vraiment très heureuse d'être ici, vraiment. C'est une belle cause, c'est un bel endroit, le nord du Niger. 200 puits déjà, donc c'est pas des paroles en l'air. Concrètement, on voit ce que ça donne quand il y a des puits et que les enfants peuvent s'approvisionner, les familles peuvent s'approvisionner et que ça améliore vraiment leurs conditions de vie. Donc c'est ce mélange des deux qui est formidable. Faire venir de l'eau, c'est permettre justement aux enfants de vivre normalement, mais c'est surtout leur permettre de revenir à un système d'éducation normal. Chaque jour, ils font aujourd'hui 25 km pour aller chercher de l'eau. Pendant ce temps-là, ils ne vont pas à l'école et la vie ne peut pas prendre. Donc là, effectivement, nous, on veut participer à ça, en leur permettant peut-être cette année, avec tous les dons qu'on va récolter, de créer 15 puits ou 20 puits supplémentaires. Ben voilà, ce sont des enfants qui vont avoir la chance de pouvoir vivre normalement. On le souhaite en tout cas.
débat sur les classements. Mais il faudra aussi se battre sur les dons, parce que la véritable cause, elle est quand même là. L'eau, c'est pas simplement éviter qu'un enfant sur cinq meure là-bas, mais c'est aussi, du coup, pouvoir irriguer des terres, faire pousser de la nourriture, construire des écoles, des dispensaires. Donc c'est toutes, c'est presque à chaque fois des villages entiers que ces gens sauvent en construisant des puits. Et donc voilà, et comme ils le disent très bien, l'eau, c'est la vie. Burnt my toast and lost your number. Cut my fingers, spill my beer. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Ce matin, on a discuté en rigolant. Ils m'ont demandé, on a une pression de résultat. J'ai dit, bah non, surtout pas. Surtout bien s'amuser, pas se blesser et passer un bon moment et récolter des fonds parce que c'est important de faire ce genre d'événement. Viens surtout pas bousculer mon cœur. Même si sans toi je pleure. Je crois qu'on est bien classé pour l'instant, donc on espère que ça va durer. On est là pour apporter des dons, on est là pour gagner, on essaie d'être des compétiteurs à la hauteur de l'événement. Voilà, ce qui est pour une vie, c'est quand même formidable. Un grand coup de chapeau à toutes les équipes de Glisse en Cœur qui font un travail formidable depuis plusieurs années et à cette association Les Puits du Désert. C'est vrai que l'événement, depuis sa sixième année, il ne fait qu'évoluer, progresser. Et hier, on a eu un spectacle, un concert extraordinaire. On le voit, les gens sont contents, sont souriants. Donc je pense que l'association de la neige, de la glisse, du grand bornant, de l'événement caritatif, c'est plutôt une belle cause. Une dédicace spéciale aux organisateurs et notamment à Isabelle qui tient cet événement à bout de bras. Ça a commencé, on était 4-5 autour d'une table. Aujourd'hui, il y a quasiment 120 équipes. C'est l'événement solidaire le plus fort, le plus beau qui existe dans les Alpes, en montagne. Et moi, je suis très fière en tant que skieuse qu'il y ait un événement comme ça qui soit solidaire. Et je veux tirer mon chapeau aux organisateurs. Continuez, c'est la classe. C'est pas une course de ski comme il y en a d'autres, c'est vraiment une course très particulière pour une cause qui nous est chère et qui m'est chère à moi aussi parce que voilà, j'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup le Niger, donc c'est une course pour une vie. Been
raison en plus pour une belle initiative comme ça. Moi, dès que les gens se fédèrent autour d'un projet collectif où on, voilà, quelque chose de, voilà, où on est tous ensemble et puis que ça soit dans la joie, quoi, que voilà, on donne tous de nous-mêmes. Bah voilà, moi ça me fait du bien. Donc, C'est vrai que je suis là depuis c'est la deuxième fois. J'étais venu l'année dernière. Déjà, d'une, la cause est magnifique pour des enfants en Afrique qui n'ont pas d'eau potable. Donc je pense qu'on ne réalise pas tous, mais c'est vrai qu'on boit tous à notre soif et on n'y pense pas trop. La cause est magnifique, le concept est génial parce qu'on est sur les pistes. Il y a, je ne sais pas, 10 ou 15 000 personnes devant, on a 15 000 personnes devant nous. Donc voilà, le concept est terrible. If it's true, why do I feel old? Peeling off snake skins, waiting for a new beginning. What happened to my love? It disappeared. I can't get it back, but if I could, I'd give it to en cœur, c'est formidable, de l'enthousiasme et de la solidarité autour des Puits du Désert. On peut vous dire une chose, c'est qu'on l'avait imaginé, on l'a rêvé comme ça il y a 8 ans, aujourd'hui on y est. Alors du fond du cœur à tous, merci, merci, merci. Skier pour une vie, quel formidable défi. Je skie pour une vie, quel beau défi. Je skie pour une vie, c'est notre défi. Je skie pour une vie, c'est mon défi. Je skie pour une vie, c'est notre défi.